déjà à l'état du terrain, c'était pas un match facile. On savait que ça allait être difficile. De plus, Pinal, c'est une bonne équipe, très très bonne équipe du groupe. Donc on savait que ça allait être difficile. On perd 1-0, carton rouge. On se dit que ça va être dur. Puis ce but, voilà, j'ai un peu de chance. 1-1, franchement, on est content. Raconte-nous-le, ce but. Ce but, bah, je savais ce que j'allais faire avant de recevoir la balle. Je vois que j'ai un peu d'avance, le défenseur sort vite, crochet, j'enchaîne vite du droit et voilà, elle se loge en lucarne. Que de mieux. C'est ton premier but de la saison ? C'est mon premier but de la saison et de mon premier but en CFA aussi. Bon, il a une saveur particulière dans un derby vosgien, ça marque forcément. Ça marque et franchement, ouais, je l'oublierai pas, je pense, ce but. Il a une belle saveur. Bon, c'est un but important qui pourrait priver Épinal de la course à la montée, hein, parce qu'ils grillent leur joker quand même. Hein. Peut-être, mais nous on avait besoin de pot aussi. Hein, voilà, le classement il est pas en notre faveur, donc le point il est plus important que pour nous. Après, je suis désolé pour Épinal, mais nous on joue le maintien quoi. Bon, justement, est-ce que ce résultat avec un état d'esprit formidable peut être un déclic pour remonter au classement? Bien sûr, ça peut être le début d'une bonne dynamique. On peut s'appuyer sur ce match. Je pense qu'on a été assez solide. Malgré voilà, le terrain, l'équipe en face, on a été assez solide. Donc je pense que ça peut être un match sur lequel on peut s'appuyer pour la suite. Qu'est-ce qui se passe justement? Vous accueillerez qui? Alors la semaine prochaine, on joue à domicile. Par contre, je ne sais pas l'équipe. Donc j'ai oublié l'équipe. Bon, on parlait d'état d'esprit dans ce groupe. Vous êtes énormément battu. Hein. Malgré les résultats, voilà, le groupe il reste solidaire. On sait que c'est dur, les résultats. Donc on essaye de rester un maximum solidaire, on l'a bien vu sur ce match. Même à 10, on ne s'est pas éparpillé, on s'est battu les uns pour les autres. Et je pense qu'il faut faire la même chose le reste de la saison pour pouvoir espérer accrocher le maintien.